Vient ensuite la prière à la lignée. La prière à la lignée, en l'occurrence celle de la lignée de Guru Drakpo Kelaya. Et c'est indispensable, quand on s'engage dans une pratique, de d'abord faire une prière à la lignée de cette pratique. Parce que si on ne fait pas de prière à la lignée de la pratique dans laquelle on s'engage, on ne peut pas avoir la bénédiction pour la pratique dans laquelle on s'engage, et donc on ne peut pas faire, accomplir le sens de cette pratique. On ne peut pas en avoir les bienfaits. Donc, on pourrait même dire qu'il n'est pas autorisé, qu'il ne convient pas de faire une pratique sans commencer par une prière à la lignée de cette pratique. Et il faut que cette lignée soit ininterrompue. La transmission de la bénédiction de la pratique doit être ininterrompue pour arriver jusqu'à nous. S'il y a eu une interruption dans l'histoire de la transmission, nous pouvons faire une prière, mais la bénédiction ne passera pas, puisque la lignée est interrompue et brisée. Et ici, donc, en l'occurrence, la prière à la lignée, c'est une prière à une lignée qui est une lignée courte, dans le sens où Padma Karpo, le quatrième Galangdopa, a directement reçu la transmission de Guru Rinpoche. Donc, c'est comme si on avait chanté, et ça donne une lignée courte. On n'est pas dans une lignée longue, on est dans une lignée courte. Mais cette importance de la lignée, c'est capital pour la pratique. So, as we engage in a practice, it's important to have at the beginning a prayer to the lineage of that specific, of the transmission of the blessing of that practice. There is always a lineage, and it is necessary, it is not possible to practice without requesting the blessing of the lineage, of the transmission. It is not appropriate not to do so, and also it won't work, because we need the blessing, we need the transmission. So we call for the blessing, we call for the blessing of the transmission, the stream of transmission, which is called the lineage. And this lineage needs to be unbroken. Because if we pray to a lineage where there is a breach or something is missing, because when it was transmitted, something was it was at some point broken, then when we call for the blessing along that that lineage, it won't reach us. So it has to be unbroken from the source down to us. And here in this case, for Guru Drakpo Kelaya, the lineage is called a short lineage, because it
it goes from Guru Padmasambhava directly straight to the fourth Gyalwangdrupa Pema Kagyu. So it's sort of making the time very short, skipping many centuries, many generations. So it's a short lineage. Ne kunzik chenangi chinala tene lama kom tama lama tamse vedoshine rangla timdi lama namba ku sung tu ge chen la rangi lunga isu la tongo gre dedu. Dans le commentaire de cette pratique composé par Kunzik Chökyi Nangwa, le 8e Gyalwangdrupa, il nous conseille, pour faire cette prière à la lignée, de visualiser les maîtres de la lignée dans l'espace en face de soi, et à la fin de la prière, visualiser que les maîtres fondent en lumière, et cette lumière fond en nous, se dissout en nous, et nous apporte la bénédiction de la lignée. In the commentary of this practice of Guru Dapokilaya, composed by the 8th Gyalwangdrupa Kunzik Chökyi Nangwa, he explains that when we do this lineage prayer to Guru Dapokilaya lineage, we visualize all the masters of the lineage in front of us in the space, and as we pray, they dissolve into light, and the light dissolves into us, and in this way, we receive the blessing of the lineage. Merci. Om Aho Dene Yondo Jeve Ngo Nyeve Nandaye Gombo Rezi Naze Oh.
Chabdo, Simche, Tene, Gekte, Tene, Sungwe Kholo, Chinti Tore, Sikhasan Kesha Shetsar. Ensuite, quand on s'engage dans la pratique à proprement parler, il y a toujours quelque chose qui vient d'abord, qui en est l'entrée ou qui en est la tête, la première chose à faire, qui est dans le cadre de notre pratique, qui est une pratique du Mahayana, du grand véhicule, de prendre refuge et de développer notre esprit d'éveil. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On en a déjà parlé ces précédents jours. On a parlé du fait de toujours commencer
en prenant refuge et en développant l'esprit d'éveil. Et puis, en guise de préliminaire, la pratique ici continue avec une dharma des faiseurs d'obstacles et puis le cercle de protection. Donc, now as we engage in the actual practice, the main practice, it always starts, since we are practitioners of the great Buddhist vehicle, the Mahayana, it always starts by taking refuge and developing the mind of enlightenment. And this is like the head, like the really the entry and the main part we need to go through when we engage in the practice. So we have mentioned this the other day. So here we have first the taking of refuge and then the development of the mind of enlightenment. And then it's followed by other preliminary practices, which here are the offering of the tama to the obstacle creators and the protection circle. De je le do je na je sa je je do go la zo na le mo mo je mo le re je je mo je la je de je Yeah.
Donc, tout ce que nous venons de faire, c'était une activité préparatoire, préliminaire à la pratique principale, qui commence donc maintenant. Et cette pratique principale, on en a parlé déjà hier, donc en rappel succinct, ça commence en disant « Ah, l'étendue de la grande perfection originellement pure ». C'est donc l'état dans lequel, de contemplation dans lequel nous entrons, que nous cultivons, qui est un état de perfection originellement pure, c'est-à-dire l'état de pureté première, la pureté primordiale, et la perfection, la complétude primordiale. Cet état de pureté primordiale, on en a parlé hier, c'est l'état dans lequel tout est abandonné, toute fabrication est abandonnée,
Et la perfection primordiale, originelle, la grande perfection originelle, c'est l'état dans lequel tout est accompli, toutes les qualités sont obtenues. Et cette conjonction de pureté et de perfection, c'est le Dharmakaya. Donc on contemple cette étendue de la grande perfection originellement pure, on est dans l'état de conscience du Dharmakaya, qui est un état non so far, are just preparation for the main practice. It's sort of preliminaries for the main practice. Now we reach the main body of the practice, which we have already explained yesterday. So in short, it starts with these words, which in English must be something like Ah, the primordial purity, primordial perfection, in this expanse there is pure consciousness. So yesterday we mentioned that the primordial purity, or originally pure, refers to the state where everything is abandoned, all fabrication is abandoned, and the original perfection means that all the qualities are complete, all the achievement, everything is already obtained primordially there. Everything, all the qualities are there. So this state, or this expanse, in which purity and qualities are all there and pure, is the Dharmakaya. And this is where there is this pure consciousness, primordial wisdom, which is non-dualistic, non-dual awareness, and this awareness is what we are dealing with. So this is what we have to start from. We start from this awareness for the rest of the practice. Tene kunzik chanang gi ti nang la te tabo cherim di tingin din sum gi sanggo re se di tangbo chugu di shin ji tingin din se de re do ye do ye zo chim bo long longgu kunang gi tingin din di tene longje zo ku re do wa tene chulgu ju tingin din sanggan zo gi dan da chugu longgu ne Tene nganzoke kuru tabo komyadi tulku yuyi tingin zins. Tene te tabo tingin zin sum tsangwa ki cherimdi kandachi selgo horisena shule chubur dolwa tabo, chunane buwachi tende buwa dolwa tabo uchene kechikla. Tene rani kuru tabo ku komyadi tulku yuyi tingin zin re, songda kuzik chana songda. Tene shikda te sel tabo hori. Tene kasang keja mangbo she songhanda dila pecha nangla di mangda gyore di songhanzo gomtu guyo mariba dini kechi shu di jagi tzawala yigi hung dila oma harche neche nama bo besa di chik samlo inje michi tango odwa di chik tangna digidu dini kunzi chenangi kar sungdu usi di dini mangbo yunayang marangzo le dangbo pa dordu jena Rangi damzik semba guru rakpo kilaya, tini ishi semba chanan dorji, tinginzi semba chanan dorji tukala, chaksen dorji tsekuba, odi sumgi inafres, be diaktaji digiri sungutuda, odi chik ngigudwa. Pechanala mangbu yarwa, tisunganzo ngigi marwa, inayan dorduna summatu minduwa, damzik semba guru rakpo kilaya, Ishi semba chanan dorji, tinginzi semba chaksen dorji tsekupa. Tene jagi tsangla oma ahungdi jip manje vache. Dehi chiki tene digido vache, elimde nesil tamna digido. Le commentaire par Kunzik Chekinanwa ici présente le processus pour arriver à générer cette déité qui est Guru Drakpo Kilaya, qui est donc un processus que l'on passe de cette conscience du Dharmakaya, et à travers notre méditation, on arrive au Nirmanakaya, la manifestation complète
d'une forme. On appelle ça l'absorption méditative de la cause qui génère cette forme. Et de toute façon, on a vu aussi hier que ce serait illusoire ou utopique de penser qu'on peut effectivement générer la forme à partir du dharmakaya, mais qu'est-ce qui compte, c'est d'être convaincu, de s'y appliquer avec toute notre énergie et notre intention pour y arriver. Et pour arriver à générer cette forme, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette forme et d'explications qui sont données. Et il y a une façon plus simplifiée de faire la visualisation, qui est de d'abord se concentrer dans la forme de Gurudev Pokilaya, sur la langue et à la racine de la langue, au fond de la bouche, au fond en haut de la gorge, il y a donc la lettre Hung et le mantra. Ça, c'est un point clé de la visualisation. Et aussi, le Galangdrupa, le huitième Galangdrupa, nous dit aussi de penser, au lieu de penser à toutes les déités qui sont décrites dans le texte, dans la forme simplifiée, l'entité ou la lettre de Samaya, c'est notre forme extérieure, Gurudev Pokilaya. Au niveau de notre cœur, l'entité ou l'être de sagesse, c'est Vajrapani. Et au niveau du cœur de Vajrapani, le Vajra à neuf pointes, qui est la tribu de l'esprit de Gurudev Pokilaya. Donc, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. En termes de visualisation, quand cette forme devient manifeste, c'est simple. Il y a Gurudev Pokilaya, au cœur de Gurudev Pokilaya, l'entité de sagesse, Vajrapani, et au cœur de Vajrapani, l'entité d'absorption méditative, qui est le Vajra à neuf pointes. In order to generate, create the deity, here Gurudev Pokilaya, the deity or the manifestation of enlightenment, there is a process which is called a meditative process, which has three phases, starting from the contemplation in the Dhammakaya, the Dhammakaya state or the Dhammakaya time, and then a second and a third step until we reach the Nirmanakaya, the full form. So from Dhammakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. And when we reach the full form of Nirmanakaya, it's called the causal meditative absorption. And in this way, through our meditation, we generate the form, the Nirmanakaya, Gurudev Pokilaya. And as Kunzik Chikinawa explained, and as we said the former days, we are not able to really go through this process of generating from the Dharmakaya, the Nirmanakaya of Gurudev Pokilaya, but we need to be convinced and put all our intent and our mental energy into it. And then we have this form, the Nirmanakaya Gurudev Pokilaya, and the commentary says that we can do a simplified visualization. We don't do all the things that are in the text, all the deities, all the details. It's just the being of Samaya is Gurudev Pokilaya, the form of Gurudev Pokilaya. And here the main focus of our concentration of visualization is the mantra at the root of the tongue, in the throat, in the upper throat, there is Hung surrounded by the mantra. So this is a very important part of the visualization. And then that's the Samaya entity. And at the heart of this Gurudev Pokilaya, there is Vajrapani, who is the Yeshepa, the entity of primordial wisdom. And at the heart of Vajrapani, there is the nine-pronged Vajra, who is the entity of meditative absorption, Samadhi. So actually it's quite simple. It's not so complicated as a visualization. Gurudev Pokilaya, the Samaya being, at the heart of Gurudev Pokilaya, Vajrapani,
the wisdom being, and at the heart of Vajrapani, the nine branch Vajra. And this visualization is instantaneous. It's not a gradual. It's like a bubble in water that comes out of water and puff, pum, pum, I don't know the sound it makes, but all of a sudden, in 1 second, it's there, the bubble, the coming up of the bubble at the surface of the water. So it's instantaneous. Aussi, c'est une visualisation qui est instantanée. C'est pas une visualisation dans laquelle il y a un développement graduel de la forme. La forme du Nirmanakaya se manifeste instantanément, en l'espace d'un claquement de doigts, d'une seconde, comme une bulle dans l'eau qui arrive à la surface de l'eau et qui éclate à la surface de l'eau. C'est instantané. Et une fois qu'on a généré cette forme, qu'on a cette forme de Guru Drapo Kilaya, que la forme est complète, ça n'est encore qu'une forme que nous avons visualisée, ce qu'on appelle l'entité de Samaya. Elle a besoin d'être consacrée par la conscience primordiale, la sagesse primordiale, qui va être invoquée pour venir consacrer, venir bénir la forme que nous avons visualisée. Donc on appelle ça le processus d'invocation de la bénédiction des entités de sagesse. Et lorsque l'on fait cela, on en a déjà parlé hier ou avant-hier, on invoque la bénédiction, en particulier celle de Guru Rinpoche, qui se trouve dans la terre pure de la montagne couleur de cuivre, Zangdok Pelari. Et donc, dans tous les champs purs, mais en particulier Guru Rinpoche, et on fait venir donc cette bénédiction de consacration sur la forme que nous avons visualisée. Et comme nous le disions hier, bénédiction du corps éveillé, de la parole éveillée et de l'esprit éveillé qui viennent se fondre dans notre corps, parole et esprit. Et pour le corps, donc, on visualise une multitude d'innombrables formes, de formes éveillées, en particulier la forme de Guru Drakpo Kilaya, donc une immensité, une multitude de formes de Guru Drakpo Kilaya qui viennent se fondre en nous. Pour la parole éveillée, d'innombrables mantras, en particulier le mantra de Guru Drakpo Kilaya en Mahmoud, Sinesanamagavate, Vadalakil Kilaya. Et puis pour l'esprit, les attributs des êtres éveillés, en particulier les attributs de Guru Drakpo Kilaya qui sont le Vajra à neuf pointes et le scorpion de métal. Et de cette façon, notre propre corps, la splendeur de notre corps flamboie, la puissance de notre parole s'accroît et notre réalisation s'accroît également. So now we have once we have visualized the Nirmanakaya, the form of Guru Drapo Kilaya, it is still only our own creation, it is the Samaya entity, which needs to be blessed, which needs to be hallowed or blessed, consecrated by primordial wisdom. And there is a process when we invoke the blessing of the primordial wisdom to come and to consecrate our entity of Samaya that we have visualized. So this is something we have already mentioned
yesterday and day before yesterday, we invoke from all the pure fields in all the directions, and in particular from the pure land of Guru Rinpoche, which is called in Tibetan Sangdok Perji, which means the copper-colored mountain. We invoke the blessing of the body, speech, and mind. We invoke the primordial wisdom consecration on our visualization. And the blessing comes, as we have said, comes the blessing of the body comes in the form of the bodies of the enlightened ones, especially the body, the form of Guru Dakpo Kilaya. So countless forms come to us to consecrate our own body. And for the enlightened speech, mantra syllables come countless and bless our own speech. And for the blessing of the enlightened mind, countless attributes of the enlightened ones, and especially the attributes of Guru Dakpo Kilaya, which are the 9 branch vajra and the metallic scorpio. And in this way, our Samaya being is being blessed by the primordial wisdom being, and our body becomes more resplendent, our speech becomes more powerful, and our realization blossoms. Merci. Yeah.
Notre gourou racine, sa santé, le Gelwang Drupa, qui a élaboré ce texte, a indiqué ici et nous a dit qu'une fois que qu'on en arrive à ce stade de la pratique, c'est-à-dire qu'on a d'abord requis la bénédiction de la lignée de transmission de Guru Drakpo Kilaya, puis pris refuge, développé l'esprit d'éveil, puis procéder à cette phase de génération de Guru Drakpo Kilaya, on peut directement s'engager dans la récitation du mantra et la méditation avec la récitation. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, que c'est suffisant, surtout lorsqu'on fait cette pratique régulièrement ou en pratique quotidienne, c'est suffisant. C'est pour ça qu'il y a marqué, on génère la phase de développement, l'état de non-distraction et libre d'élaboration sous la forme résumée, donc une forme simple de la pratique. En demeurant en cet état, on commence la récitation du mantra. Et le mantra, donc, la récitation se fait maintenant. Donc ça, c'est une possibilité pour une forme résumée de la pratique. In the instructions of practice, His Holiness the Gelwang Drupa, our root guru, who prepared this text, gave us the instruction, and he wrote it here, that we can just have the main recitation of the mantra here. That's why the mantra is written here. That is, first we do what we did, lineage prayer, invoking the blessing of the lineage of Guru Drakpo Kilaya, then taking refuge, then developing the mind of enlightenment, and then generating the deity, which we have just done. And then we can engage in the meditation recitation of the mantra. That's why it's written here in italic. You can see that as we abide in this state of contemplation, in the short form of the practice, we just abide in this state of contemplation and recite the mantra. So that's for the if we do it daily, we can just do the short practice like that. Tene short lamna yang tenda omar tene zembeza kile kile ngakti changdi. Ngakti tangdi tenda ni che korwa ten tangbu di tene rangi tene ne sumne wezir tune tene sanje tamje sanje tangguru mche lapo ne guru mche kusum tugi rangla chinji lap ngak tangwe kalore da chinji lap tagdun rangdun ki tikwa dan tikwa da mikwa ra tagdun ki mikwa chikre tene yang wezir tune ne jikten zambuling lap zambuling ma ta ba tim je dak ba chur chu gi sim je tam je lap chu gi sim je tam je gi de ba tam de ba ta ne de ne guru da bo ku la chur se de shen den chi le ki mi ba ti ni di ko gyo ra che du ka ina mi ba di ko gyo ra de ne kun dun gi din la di di je na ngum min je ta je ba sam ji ma chi ba me chang di chi gi na pre sung gyo ra de la mi te ba s Sixola Shemba Sidi, then the Dundashida, Hamago, Sig the Sola Cabo, you know, then the okay, then there's Chebajena, whom the name of the Sumber. Même quand on fait cette forme courte, ça n'empêche pas, au contraire, il faut quand même faire toutes les visualisations. C'est-à-dire, même quand on s'engage dans la pratique de la récitation du mantra,
ici, là où il y a marqué d'ailleurs le mantra Om Aum Ra Senesik, on fait une double visualisation qui est le double sens de notre pratique, qui est à la fois pour soi-même de faire l'invocation de la bénédiction de Guru Rinpoche depuis nos trois lieux de la lumière, et nous émettons de la lumière qui va dans toutes les directions de l'espace vers toutes les champs purs, en particulier le champ pur de Guru Padmasambhava, la montagne couleur de cuivre, et qui ramène la bénédiction du corps éveillé, de la parole éveillée, de l'esprit éveillé, qui viennent se fondre dans notre corps, notre parole et notre esprit, et qui purifient toutes nos négativités, tous nos actes, nos activités négatives corps, parole, esprit, et tous nos voiles et nos obscurcissements. Ça s'appelle faire son propre bien. Première chose qu'il faut faire. Et deuxième chose qu'il faut faire, c'est faire le bien d'autrui. Et ici, dans la visualisation, c'est à travers la lumière que nous émettons, purifier le monde physique, l'univers physique, matériel, qui se transforme en terre pure, la terre pure de Guru Rinpoche, et également envoyer la lumière vers tous les êtres sensibles pour purifier leur corps, les activités de leur corps, de leur parole et de leur esprit, de toute négativité et de toute voile, pour que tous les êtres atteignent l'état de Guru Rinpoche, Guru Drakpo Kilaya. Ces deux visualisations, on les fait même quand la forme de la pratique est courte, c'est-à-dire qu'on s'engage tout de suite dans le mantra. Et c'est suffisant. C'est pourquoi sa sainteté a marqué, dans mon texte c'est page 4a, juste après le mantra, il y a marqué en italique, agrémenté en finale d'une dédicace et des souhaits, c'est-à-dire une fois qu'on a fini notre méditation-récitation, on vient rajouter à la fin la dédicace des mérites et l'expression des souhaits de bon augure, il n'est plus nécessaire de prolonger la pratique. On a fini notre pratique, on l'a conclue. Mais pour ceux qui, indépendamment du sens, sont attachés aux mots, s'ils désirent un peu plus d'élaboration, de points, et puis il y a encore des pages et des pages de texte. Ça veut dire que, en matière du sens, le sens de la pratique, tout est déjà là, il n'y a pas besoin de plus. Mais si, indépendamment du sens, nous, ce qu'on veut, c'est lire des pages et des pages de texte avec des mots, donc ceux qui sont attachés aux mots, alors dans ce cas-là, si on veut plus de mots, plus de textes, donc il y a encore une suite qui est donc au niveau du sens qui n'est pas nécessaire. Even though we are talking about the short version of the practice, where we do the main recitation here at this stage, page 4a, we still need to do all the visualizations and all the meditations. And there are two main meditations and visualization. One is to accomplish one's own benefit, which means call the blessing, invoke the blessing by sending light from our three places. We radiate light to all the pure lands of enlightenment in the universe, and especially the pure land of Guru Rinpoche, the copper-colored mountain, and bring back the blessing of the enlightened body, the enlightened speech, the enlightened mind, and which comes and purifies our own body, speech, and mind, purifying all our negative accumulations of our negative activities of body, speech, and mind, and all the veils and obscurations, completely purifying ourselves. In this way, we accomplish our own benefit. That's the first important practice or core practice. The second core practice is benefiting others. And the visualization is to send light towards the entire physical universe, which is transformed, purified, and transformed into the pure land of Guru Padmasambhava. And sending light to all sentient beings in the universe,
purifying the negativities of their body, speech, and mind, and their obscurations, so that they reach the realization, the accomplishment of Gurudapo Kriya. So this is the double benefit. This is benefit for others, and we do benefit of oneself and benefit of others. We always do that, even though the practice is short. And then that's all. We just need to dedicate the merit and do auspicious prayers. That's why His Holiness wrote, after the mantra, the recitation of the mantra, in italic, you can find in the text, it says, at the end, you put a dedication and good wishes. And then it's not necessary to make it longer, to make the practice longer. But then he added, for those who independently from the meaning are attached to words, then there is more liberation. That means, in terms of meaning, the entire meaning of the practice is done, is complete, is enough. But some people may like to have more words, more things to recite. So for those who, regardless of the meaning, are attached to more words, then there is elaboration, more things to recite, if one wants more than what the meaning provides. Pour rajouter de la récitation, il y a donc ce qui vient ensuite, qui est un texte composé par Pema Karpo pour invoquer la bénédiction. Donc ce texte que nous avons, page 5. So, if we want an elaborated version, there is a text to invoke the blessing with the words, page 5, which was composed by Pema Karpo. Oh.
Thank you.
Dakchegi dunjegi lala soatamne chilapshugdo ta dila dakdun dakdun nyamborwa takse dunje dagish dakdun nyamborwa pena dakche guru chapo dunje di maranso dila guru chapo dila tegamnga do tegamnga nanglo la tene saje ringa dila tene tuchung ringa sege do tene sanje ringa sene de tuchung ringa yabyum jene dila dila tan dunje tsigo gore esro ensuite donc là on a fait cette consécration en faisant descendre la bénédiction sur nous, la bénédiction de la sagesse primordiale qui vient sur nous en tant qu'entité de, en tant qu'être de Samaya. Et ce qui vient ensuite, page 6, moi, dans mon texte donc, qui commence en tibétain par « Kye dusum sangye tamche dupedje », c'est une descente, une invocation de bénédiction qui se fait quand la visualisation, le principe de visualisation, d'une visualisation de la manifestation de l'éveil, la déité en face de soi, et soi-même, donc on, soi-même en tant que déité, déité en face de soi, ça c'est ce qu'on vient de faire et on a fait venir la bénédiction depuis les déités en face de soi ou les entités de sagesse. Ici maintenant c'est une conjonction, une combinaison de en face de soi et de soi-même en tant que déité, dans le sens où on est soi-même Guru Drakpo Kilaya et nous avons un diadème, une couronne, faite avec cinq crânes, je ne sais pas si vous avez une représentation, cinq crânes humains dans lesquels se trouvent les formes de Guru Drakpo Kilaya, Guru Tetrengtsel, c'est les formes courroucées de Guru Rinpoche. Et c'est eux que nous allons invoquer maintenant avec ce texte. Dans chacun de ces crânes se trouve l'un des Guru Rinpoche Kurusé, donc qu'on appelle Tetrengtsel, c'est-à-dire l'énergie du crâne, en fait, l'énergie Kurusé, dans les cinq familles de Bouddha. Donc cinq crânes, cinq Bouddhas des cinq familles, qui sont chacun une forme de Guru Rinpoche Kurusé en union avec sa parèdre, donc un couple dans chaque crâne. Ça fait cinq couples. Et c'est envers ces cinq couples de Bouddha, de Guru Rinpoche Kurusé, des cinq familles, que nous allons requérir maintenant la bénédiction et la consécration. So, and that was bringing down the blessing of the wisdom, the primordial wisdom, primordial awareness, coming to consecrate us as Guru Drakpo Kilaya.
And now there is another process of bringing down blessing, which combines, usually when we talk about bringing down blessing, we mention visualizing oneself as the deity, the manifestation of enlightenment, and in front of oneself, the deity. And there is a relationship between front of oneself in the space up and oneself. Here, what comes now, page 6, which starts with Kie du Sum Sangye Tamchi du Pejie, it's a combination of in front and oneself. How does it work? It works in the way that if you look at the representation of Guru Dapo Kilaya, Guru Dapo Kilaya has a crown made of 5 skulls. And within each of these skulls, there is a Buddha. There is one of the 5 family Buddhas. 5 family, so therefore 5 skulls. And the Buddha inside is Guru Padmasambhava in the wrathful form. It's called Techeng Tsel in Tibetan, means the wrathful form of Guru Padmasambhava. And each of them, each of the 5, is with his consort. So it's a couple, male, female, in each couple, in each skull. So now what comes next is invoking and bringing down the blessing from these Buddhas, from this Guru Techen Tsel, which are on our own body in the skulls above our head, the crown. Et donc ce texte qui vient maintenant, c'est un texte de prière. Nous, nous devons supplier, nous nous adressons à cette visualisation en face de soi, mais qui est combinée à la visualisation de soi-même. Et nous supplions chacun des 5 gurus de Trengsel, c'est-à-dire les formes courroucées de Guru Padmasambhava, de chaque famille. Et avec la même prière qui est une requête, une supplication pour recevoir leur bénédiction, leur transmission. Et donc, quels sont ces 5 Bouddhas, quels sont ces 5 gurus de Techen Tsel et à quoi correspondent-ils? Alors, la première, je crois, la première série de prières, c'est pour Guru Rinpoche en général, puis commence la prière au corps sublime, au corps éveillé, qui est le Guru Techen Tsel de la famille Bouddha. Moi, j'ai ça, page 6, à première ligne. Sublime corps immuable, Bouddha Techen Tsel. Donc, c'est le Techen Tsel de la famille du Bouddha qui est associé au corps éveillé. Et puis, donc, toute une prière que l'on fait en étant très concentré dans la dévotion pour requérir, pour arriver à faire descendre cette bénédiction. Ensuite vient à la page suivante la requête au Pema Techen Tsel, c'est-à-dire le Techen Tsel de la famille du lotus, qui correspond à la parole éveillée. Donc moi j'ai ça à la fin de la page 6a, le dernier vers, sublime parole non obstruée, Pema Techen Tsel. Et puis il y a la suite de la prière que l'on fait. Donc en étant très concentré. Et puis à la fin de la page 7, sublime esprit immaculé, Vajra Techen Tsel, la famille Vajra, la famille du Vajra, qui correspond à l'esprit éveillé.
Et puis le quatrième, si on garde notre compte des cinq familles, le quatrième, c'est la famille du joyau. Page 7A, à la fin, il y a marqué Ratna Heruka. Ratna en sanskrit, c'est ou Ratna Tchensel à la fin de la deuxième ligne, page 7A. C'est Ratna, c'est le joyau qui correspond aux qualités éveillées, qualités de l'éveil. Et puis la cinquième famille, c'est la famille du karma, la famille de l'activité. Et donc page 8 chez moi, on a un karma heruka ou karma tetrensel, deuxième ligne karma tetrensel, troisième ligne karma heruka, qui correspond donc à l'activité éveillée. Donc cinq bouddhas, cinq familles, cinq tetrensel et cinq séries de prières. So the way we bring the blessing is by praying, supplicating. So what comes page 6 from my text, page 6 to page 8, is a supplication which we need to do with full devotion and one-pointed concentration, one-pointed devotion. And we address our supplication to each of the five families, Buddha or Guru Tchensel, the Rightful Guru Padmasambhava. So to each of them, we have a prayer. And it's written, sublime, non-obstructed speech. For the enlightened speech is the lotus family. And we pray in the skull, the Tchensel of the lotus family. So that's the second. The third one, this next page, is the Vajra family. So it's Vajra Tchensel or Vajra Heruka. And that is for the enlightened mind. And so we pray and we request the blessing from that one. And then the fourth one in my text is page 7a. It's written end of second line. Ratna Tchensel. Ratna is the Sanskrit for jewel, the jewel family. So we pray to the Ratna Tchensel and request the blessing. And that's the family associated with the enlightened qualities. And then the last one, the fifth one, is the page 8 for me, Karma Tchensel or Karma Heruka. Karma means activity, so that's for the enlightened activity, the karma family of the Buddha, and which stands for the enlightened activity. Donc, ce que l'on fait de cette façon, c'est qu'on invoque de la bénédiction de tous les aspects, tous les visages, toutes les familles de l'éveil, ça veut dire tous les aspects de l'éveil, que ce soit le corps éveillé, la parole éveillée, l'esprit éveillé, les qualités de l'éveil et l'activité de l'éveil. Donc de tous les bouddhas, de tous les êtres éveillés, de Guru Rinpoche et tous les êtres éveillés. Et c'est cela que nous supplions, dans ces cinq facettes de l'éveil que nous supplions et dont nous demandons la bénédiction et la transmission. So we are here actually with this prayer to the five families of the Tchensel in our crown, so called in front of ourselves, but in our crown. We are calling and invoking the blessing of the enlightened body of all the Buddhas and Bodhisattvas through the first family, the family of the enlightened body, and the enlightened speech of all the Buddhas, and the blessing of the enlightened mind of all the Buddhas, and the enlightened qualities and the enlightened activities. Merci. Donc on fait la prière page 6 tous ensemble. So we do the prayer page 6 all together.
Yeah.
À la fin de cette prière qu'on vient de faire, il y a les instructions sur cette prière dans laquelle on dit on adresse cette prière aux cinq familles de Te Tengtsel avec une dévotion puissante et sans partage. Donc c'est ce qu'on vient de faire, et il y a aussi précisé qu'il convient de le faire en psalmodiant sur un air mélodieux avec les mains jointes. Ceci étant fait, donc on a invoqué, on a supplié pour recevoir la bénédiction, les transmissions, et maintenant vient la réception de cette transmission, sous la forme des quatre initiations, c'est ce qui est marqué en italique. Ensuite, les vers pour réciter la réception des quatre initiations. Donc, nous avons supplié et nous allons recevoir les quatre initiations transmises par ces Bouddhas Te Tengtsel, ces Te Tengtsel des cinq familles. Et ils vont nous transmettre les initiations de manière simultanée. Ce n'est pas chacun individuellement, l'un après l'autre, c'est les quatre. Et ça va descendre, ces initiations vont, dans notre méditation, vont être comme un flot, un flux qui descend. Et c'est ce qui est décrit dans le texte. Les cinq familles de Te Tengtsel étant en équanimité, en union, la bodhicitta de grande félicité s'écoule du lieu d'union, du lieu de leur union, principe mâle et masculin-féminin en union. La bodhicitta, le grand esprit d'éveil, la grande félicité, descend comme un liquide qui vient et qui rentre en nous par le sommet de notre tête. Et qui descend graduellement, d'abord remplit le sommet de la tête, le haut de la tête, et c'est ce qui est marqué, remplit le sommet de ma tête,
et purifie les impuretés du corps. Donc le commentaire de Kunzik Chekinanwa qui explique et qui décrit ça dit donc que c'est la descente simultanément des cinq familles et que cette initiation, cette bénédiction peut être décrite en différents termes. En termes de lieu, donc la première, premièrement ça descend jusqu'au niveau de la tête et ça correspond à la purification de tout ce qui est associé au corps. En termes d'initiation, quand on parle des quatre initiations du Vajrayana, les quatre initiations tantriques, c'est l'initiation du vase. Et en termes d'accomplissement, c'est l'accomplissement du corps éveillé que j'obtiens à ce moment-là, quand il y a cette descente au niveau de ma tête. Puis, la descente continue et c'est maintenant ma gorge qui est remplie. Donc, emplissant la gorge, dit le texte, elle purifie les impuretés de la parole. Donc, en termes de lieu, c'est la descente jusque dans la gorge. En termes de purification, toutes les impuretés associées à la parole. En termes d'initiation, c'est l'initiation qu'on appelle initiation secrète. Et en termes d'accomplissement, c'est l'accomplissement de la parole éveillée. Puis, le flux continue de descendre. Il arrive au niveau de mon cœur. Donc, en termes de lieu, c'est le cœur. Les impuretés qui sont purifiées, ce sont tout ce qui est associé à notre esprit. L'initiation, c'est l'initiation de la connaissance transcendante. Et l'accomplissement, c'est l'accomplissement de l'esprit éveillé. Le flux de bénédiction de bodhicitta continue à descendre et vient remplir l'abdomen au niveau du nombril, qui correspond à la purification des impuretés. Il y a marqué les différentes impuretés, c'est les impuretés, l'impureté qui consiste à différencier, à distinguer, à catégoriser, à distinguer. Donc c'est l'impureté la plus subtile, la plus profonde. Elle est purifiée. L'initiation, celle qu'on appelle la quatrième initiation. Et ce que nous accomplissons, c'est la réalisation de la bouddhéité complète. De cette façon, nous sommes entièrement remplis de ce flux de bodhicitta qui nous remplit et qui va finalement déborder, parce que nous sommes pleins de cette bénédiction, et il y a donc marqué le flot de bénédiction déborde au-dessus de ma tête, donc il y a comme comme une petite fontaine qui se crée au sommet de notre tête, de bodhicitta, et cette résurgence prend la forme du Bouddha Amitabha, qui est le Bouddha de la famille à laquelle appartient Guru Rinpoche, et qui vient comme couronner la forme de Guru Rinpoche pour conclure la réception des quatre initiations. So the prayer, that the supplication we did, it's written in Italic just after what we recited, that we address this prayer to the five families of Tuchang Tsel with a powerful devotion. I don't know how they translate it, without sharing, which means very one-pointed, very concentrated and focused, powerful devotion. And it's also written that we must do it by chanting very melodiously and with joined hands. So this is what we just did. And what comes next as a consequence of this intense supplication is the bringing down, the coming down of the blessing. And this coming down is called here the reception of the four initiation, the four tantric initiation. The way it's done, according to the commentary by Kunzik Chikinanwa, is that all the five Tuchen Tsel will bring down the blessing together, simultaneously. It's not one after the other. When we prayed one, each of them individually, but now it all comes together, and the way it comes is a flow, like a liquid flow, which is the flow of bodhicitta, which comes from the place of the union. They are in union, male-female principles, and from there is the great bliss, the bodhicitta, that comes as a flow, comes down, and as it says, from their union place, comes down through the top of one's head, my head. And then the commentary explains,
what happens in terms of place. First, the place that is filled with this flow is the head, the top of the head. And what this does, it purifies all the impurities associated with the body. And in terms of initiation, it's reception of the first initiation, the vase initiation. And in terms of the accomplishment, through this initiation, we accomplish the enlightened body. And then the flow keeps on pouring, on flowing down. It fills the throat. As it fills the throat, the impurities of the speech are purified, the impurities associated with our speech. The second initiation is received, which is called the secret initiation, and what is accomplished is the enlightened speech. And then the flow continues to pour down, come down, and fills the level of the heart. In terms of purification, the impurities of the mind associated with the mind are purified. And this is the third initiation, the initiation of transcendental wisdom. And we realize through this third initiation the enlightened mind. And then it comes down and it feels the level of the belly, the navel. And what is purified here is the impurities associated with differentiating. This is a subtle impurity. So here it's translated as different impurities, but it's the impurity of differentiation, differentiation. This is the fourth initiation, which sometimes is called just the fourth initiation, as it is in this text. And what we achieve is we reach full enlightenment, full Buddhahood. And in this way, we are completely filled with this flow of bodhicitta. And when we are completely filled, then there is extra flow which just comes up through the top of the head, like a spring of this bodhicitta, which takes the form of the lord of the family. The lord of Guru Padmasambhava family is Amitabha. So there is Amitabha at the end, like a crown of our visualization. Merci. Om Ramana Tavardana Isoha. Tene Jela
Ensuite vient la récitation du mantra. Donc, ce qui est pratique principale, c'est la récitation avec méditation en récitant le mantra. Donc, ici, ça vient maintenant. Et dans le commentaire, Kunzig Chekinangwa explique qu'avant de réciter le mantra en utilisant son chapelet, son mala, il convient d'abord de consacrer notre chapelet, de le bénir avant de l'utiliser. Pour ce faire, on le pose dans sa main et on récite des mantras, un mantra particulier. Mais dans le commentaire ici, il dit que la première chose qu'on doit réciter, c'est parce qu'on est sous la forme de Guru Drakpo Kilaya, donc le premier mantra est le mantra de Guru Drakpo Kilaya. Donc d'abord, on récite Om Namo Narasimha Bhagavate Vajrakilaya. Ensuite, on récite le mantra de consécration des chapelets, Om Jyotishiramani Pravardhanaya Soha. Et ensuite, on récite le mantra ou la formule de l'interdépendance qui scelle la bénédiction. Om Yedharma Hetu Prabhava Hetun Teken Tathagato Hayavada Teken Sayonirada Ewambadi Mahashramanaya Soha. Et on fait cette récitation plusieurs fois, cette série de mantras plusieurs fois. Du moins, ça c'est l'instruction qu'il y a dans le commentaire. Si vous avez reçu le nectar, ça symbolise la bodhicitta, donc vous buvez le nectar, c'est la réception des bénédictions. If you have just got the water in your hand, you drink it. It's the blessing we just invoked and called for, so you can have it. So after all this, there is the recitation of the mantra, if we do this elaborate version. So that's the main thing, the mantra recitation along with all the visualizations that come along with the recitation. But in the commentary, Kunzig Chekinangwa specifies that before we accumulate mantras by using our rosary, the mala, we need first of all to consecrate the mala. So we put it in our hand and we recite mantra. But he says that now we are Guru Drakpo Kilaya. So the first mantra is the mantra of Guru Drakpo Kilaya that we recite once. And then the mantra for the specific mantra for the consecration of the mala, Om Rutsiramani Prawardhanaya Soha. And then the formula of interdependence that seals the consecration, Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetundikandatagatu Hayavada Tekansayan Iruda, Yuambadi Mahashamanaya Soha. And this we repeat several times in order to consecrate the mala. This is what the instructions in the commentary says. However, mais bon, ça c'est ce que dit le commentaire, mais nous on a notre habitude qui est simplement de réciter le mantra de consécration du rosaire qui est Om Rutsiramani Prawardhanaya Soha, de le répéter plusieurs fois. So actually, whatever the commentary says, our habit here is for the consecration of the mala is to recite them simply the mantra of consecration of the mandala, of the mala, the rosary, Om Rutsiramani Prawardhanaya Soha, a number of times. So this is what we do. Om Rutsiramani Prawardhanaya Soha, 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 Om Rutsiramani Om Mardhane Janam Bhagavate Vidhagilagila 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 Om Mardhane Janam Bhagavate Vidhagilagila
Lors de la récitation du mantra, les instructions de Kunzik Chökinangwa, c'est de ne pas le réciter fort, de le réciter très faiblement, de sorte qu'il n'y ait que soi-même qui l'entende. So when we recite the mantra according to the commentary by the 8th Gelwang Drupa Kunzik Chökinangwa, we don't utter it loudly, just enough for our own self to hear it, but not others to hear it. Voilà, on n'a pas le temps de faire les pratiques de longue vie pour ce matin, donc on va passer directement à la phase de dissolution qui est page 13, dernière ligne dans mon texte. 12A pour d'autres textes. So we are running out of time for we cannot perform the long life part of the ritual. So we skip it and we just come to the dissolution section, which in the text is either, depending on which version you have, page 12A or page 13 at the end of page 13. So Jamda Yi Chena Sangwa Lama Chidrenza Jonam Gwanamba Kundo Chabamba Omo Sarva Mahagura Argam Bandam Bibindu Aloke Genden Deshabda Dadizabunda.
La pause déjeuner, lunch break.